Et salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je suis, comment dire, plein de mouches. Je ne sais pas si ça se voit en première personne. Il y a des mouches autour de moi. Voilà, là on les voit bien là. Voilà, je pue. Voilà, donc on va. Je suis sale en plus. Voilà, donc j'ai joué un peu. Et je suis plein de mouches. Et je sais que quand on est plein de mouches, comme on dirait l'autre, il se passe des choses. Et ce sont des choses que l'on n'a pas vues quand, durant le let's play. Et vu que je compte mettre toutes les cinématiques du jeu, ben c'est le moment de faire cette cinématique, justement. Donc on va continuer à jouer normalement. Snake ne prendra plus jamais de douche. N'est-ce pas? Plus jamais. On va garder ces mouches jusqu'à la fin des temps. Et on va les apprivoiser comme ça. Comme ça, voilà. Et pour en distraire les ennemis, je dirais, toi, tu vas dans l'œil de l'ennemi. Il va aller dans l'œil de l'ennemi. Il va distraire les ennemis. Et voilà, tout simplement. Ah là, en tout cas, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur MGS5. Revenir à la mission. Ce n'est pas une mission, mais si. Cinématique. Et on entend mes mouches. On voit mes mouches. Welcome back, boss. Another successful mission. Merci. Dis que je pue pendant que tu y es. Ah oui, d'accord, bah dis-le. Safe, boss. Merci, merci. Snake, you stink. Oh. Oh, je préfère cette vue là. Il allait me balancer. Il allait me balancer le seau d'eau, cet enfoiré. Oh. On suit. Ocelot ou Coyette? Le choix est dur. Avoue, t'es deg. Ah, les fans de Yaoi, ils doivent être. Un peu déçus. Il y a beaucoup de Yaoi entre Snake et Big. Et Ocelot. C'est compréhensible. Ah oui, d'accord. Non, c'est moi qui suis censé prendre une douche. Oh, il y a tout le monde qui mate derrière. Ils sont choqués, ceux de derrière. Et même Ocelot. Avoue, t'es deg. Ah, mais c'est moi là? Je prends une douche? Ah ouais. Oh. Oh, mais il est trop bien ce jeu. Attends, je vais voir Ocelot ce qu'il fait comme tête. Tant pis. En plus, tu chantes même en prenant ta douche. Ça y est? Il me salue tous, genre merci boss pour. Merci de nous avoir laissé vivre ça, boss. Énorme. Merci, Coyette. Je crois que t'allais pas me dire merci. Oh, c'est lui! Non, c'est pas lui. Il y avait, en fait, j'ai recruté un mec S++ juste avant. C'est le pire des fils de pute. T'as dit quoi, toi? Regarde, Coyette. Si jamais tu m'écoutes pas. Voilà. Tu fais garde à vous à un mur là, mec. Mec, ne sois pas con. Hein, s'il te plaît, ne sois pas con. Merde. Bon, bah tu. Je crois que t'as un problème avec. Oh. Il fait Jésus sous l'escalier. Bah, t'as un problème avec les escaliers donc. Oh, il y a deux Fulton. Ah, j'ai un nouveau bras étourdissant. Non, désolé. On va appeler l'hélico, on va aller en mission. Viens là. On va tester quelque chose. Reste là. J'ai un nouveau bras étourdissant. On va le charger à fond. Ah, on voit la barre en bas qui se charge à fond. Oh, c'est long.
Et ça fait quoi? Quoi? Il s'est passé quoi? Attends. Peut-être qu'il faut être proche. Mais c'est chaud à balancer quand même. Attends, on va tester. Mais c'est nul! Oh. Attends, on va voir la on va juste tester la portée. Bon, j'ai c'est. Merde, on peut plus. Bon, c'est pas grave. Tac. Quiet. Tu te rhabilles? Enfin. Entre guillemets. On est devant chez toi. Quiet. S'il te plaît. Quiet. Bon, elle veut pas venir. Toi, je crois. Toi, tu faisais une connerie, toi. Tu t'es mis au garde à vous au cas où. T'as entendu l'hélico, tu dis ah, s'il me voit. Ah oui, on m'a volé plein de. On m'a volé énormément de matériel quand on attaquait ma base. Il faudra que je me repenche vers les attaques de Motorbase parce que j'en ai pas fait énormément non plus. Et il faut détruire toutes les bombes nucléaires, même si pour l'instant je peux pas parce que j'ai passé de points de héros. Parce que j'ai fait ma bombe j'ai créé une bombe nucléaire, j'étais très con. Et du coup, je peux plus attaquer ceux qui ont des bombes nucléaires. Enfin, c'est un peu bizarre leur système. C'est. Tu crées des bombes nucléaires pour pas être attaqué. Mais en fait, c'est pour ça que tu te fais le plus attaquer. Enfin. Ouais, c'est bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais même pas ce qu'on va faire. Peut-être une mission en extrême. Quoique, non. Force d'occupation. En survie, je crois que je n'ai jamais fait de vidéo. Les missions en survie, je l'avais fait en mode. Ouais, celle-là, je l'avais fait en mode YOLO. Il fallait détruire. J'étais resté dans l'hélico et du coup, ça, j'avais même pas eu besoin de descendre de l'hélico pour réussir la mission. Celle-là, elle a l'air un peu plus dure. Il faut quoi? Il faut éliminer un colonel et empêcher le déploiement des chars. Il faut des missiles et je suis tout nu. Sans même avoir de. Comment dire? Sans préparation de sortie. Ok. Sans avoir de d'armes. Donc un missile, ça va être un peu dur à trouver. À moins que je. Ah, si j'ai mes Fulton. Est-ce que j'ai mes Fulton? Attends. Est-ce que j'ai mes Fulton? Parce que si j'ai mes Fulton, je m'infiltre derrière le tank. Enfin, le char. Et je le Fulton. Comme ça, tout le monde est content. Ça pourrait être possible, on verra. Subsistence. Occupation Force. Oh yeah. Épisode 49. Venom Snake. Punished. Je ne sais plus parler anglais, désolé. Your first move should be to head to Sakai Village and search for the Colonel and his deployment plans. TT7 Nosrog. TT77 Nosographie. Désolé. Nosographie, c'est quelque chose. Ceux qui sont en psychologie doivent. Enfin. Voilà. C'est quelque chose qui m'a hanté durant mon exposé. Sur Freud, parce que Freud n'a pas de nosographie. Et c'est très chiant. Ok. D'accord. Bras bionique, ok, j'ai même pas le. Ok. Et j'ai pas de. Je peux pas appeler. Je peux même pas appeler l'hélicoptère pour qu'il bombarde. Oh. En plus j'ai une tenue pourrie. Peut-être que s'il y a un camion qui passe, je pourrais m'infiltrer grâce au camion. Qu'en pensez-vous? Oh putain. Ah, c'est là où il y avait Kaz, non? Ah ouais, c'est là où il y avait Kaz. Oh putain.
ça va être plus compliqué que ce que je pensais. Préparez-vous pour une vidéo de 2 heures. Alors. Analysis complete. A++ en plus, ok. Une figurine. J'ai vu un mec là qui regardait avec des jumelles, je crois. Ok, il y a des corbeaux, des oiseaux. Non, il n'y avait pas un mec avec des jumelles. Psychomantisme. Psychomantisme fait avoir des hallucinations. Mais c'est bizarre, il n'y a personne. Non, c'est pas là où il y avait Kaz. C'est pas là où il y avait Kaz. C'est pas là où il y avait Kaz. Ah putain, il faut pas que je oublie qu'il y a des snipers aussi. Vu qu'on est avancé, on est à la fin du jeu, donc... Donc t'as vu ? Une figurine, d'accord. Enfin, une poupée. Enfin, un leurre. Alors, je n'ai pas d'armes, hein. Je n'ai même pas de couteau. Ah si, j'ai un couteau dans mon dos. Ok, parfait. Et là, je vais tomber nez à nez avec un ours, je vais rien comprendre. C'est vraiment bizarre qu'il y ait personne. Mais genre, personne de chez personne. Ça, c'est un oiseau. Je vais contourner. Quoi qu'on peut pas, en fait. Là, il y a des ennemis là-dedans. Dans les... Aux toilettes. D'accord, donc il y a des ennemis dans les toilettes. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi, je sens que les ennemis sont plus dans les toilettes que dans ce grand camp. Dans ce grand camp, pardon. Je sais pas, c'est quelque chose qui me plairait. Je c'est l'espoir fait vivre. Oula, je vais réussir à parler vous en fait. Ouais, tant mieux. Par contre, plus je m'approche, plus je suis visible par le projecteur. Il me regarde droit sur moi. Donc c'est pas cool. C'est pas cool. Attends, j'ai même pas de bottes en carton, c'est ça le pire. On va attendre qu'il se tourne. Attends, on va chercher des ennemis encore. Là. Encore un ennemi, on le voit là. On le voit. Et en plus, il est blindé, je crois. On l'a vu. Je suis con en fait, j'ai juste allongé la falaise. Bah oui. Ça c'est fait. Attends, on va mettre un marqueur là où il y avait des ennemis. Un peu avant même. Ah, parfait. Je pourrais même monter d'ici et les défoncer. Et on va se mettre là. Ne tombe pas, tombe pas trop tard. Ok, attends. Il y a des ennemis là-bas apparemment. Oh, je pense pas qu'ils soient là-bas. Mais... ça me plairait. Ok. Attendez, vous savez quoi? Juste un truc. Voilà, on met pause. Juste enregistrer la cinématique au cas où.
Au cas où que ça plante, parce que j'ai presque plus de mémoire sur. Oh putain! Ah d'accord, c'est Snake. D'accord, j'ai vu une lampe, j'ai cru que c'était. Normalement, je suis derrière la lampe. Derrière le rocher. Ok, donc tout ça pour ça. Tout ça pour un putain d'ennemi. Est-ce qu'il a un lance-roquette sur lui? Il a une arme. C'est aussi intéressant. Ouh. Tiens, c'est chaud en survie quand même. On dirait pas, mais c'est chaud. Y a pas beaucoup d'ennemis par contre, c'est ça qui me fait un peu peur. Je m'attends à tous les voir appliquer d'un coup. Donc les toilettes étaient par là. Hein. Au cas où, s'il faut que je me cache. Il y a le jour qui se lève, je crois. Merde! Ça c'est pas cool! Je pourrais plus voir les lampes et les ennemis. Analysis complete. Солдат уже пропало без вести. Да, немало. Говорят, это дело рук американцев. Американцы здесь? Да ну, я серьезно. Ребята не раз видели, как наши солдаты взлетают небо на каких-то воздушных шарах, а потом к ним подлетает вертолет. За этим точно стоят не душманы, а американская система эвакуации. Фултон. Что? Сколько же нужно американских шпионов, чтобы такое провернуть? В общем, штаб теперь ночами не спит и думает, как этому противостоять. Je concentré. Ah, il est là, d'accord. Putain, j'avais pas vu. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On va passer en force. Enfin en force, non pas du tout. Justement, on va passer en mode YOLO. Il y a un soldat en bas qui arrive, comme par hasard. Comme par hasard. Oh lui j'avais pas vu lui. Non? Ah il est là. Oh ils sont deux? Ah oui ils sont deux. Lui merde, lui il se dirige droit sur moi comme dirait l'autre. Putain! Comme par hasard, hein, comme par hasard, comme par hasard, comme par hasard. Je suis un serpent, tu ne me vois pas. J'ai peur qu'il me voit. Je crois que ça serait bien qu'il me voit. Quoique non, il y a lui là. S'il m'aperçoit, ça serait bien. Tant pis. Ok. Ok, il m'a pas entendu. Enfin, il m'a entendu, mais...
J'aurais dû ramasser son arme. Oh putain, merde. Ils sont deux. Je pourrais me les faire aussi QC. Il se dirige par là. Non, les gars. Putain. Ne vois pas ton pote. Ne vois pas ton pote. Ah non, merde, il avait rien à dire, je suis con. Lance-roquette. Ok, j'ai des armes. Ok, bon. C'est bon. Attends, on va te récupérer. Clouds approaching. Subject on board. Okay. C'est chaud, hein. Que je trouve quoi en fait? Je sais même plus. Sécuriser le plan de déploiement et éliminer le colonel. Et les chars. Donc j'ai une balle de roquette et 31 de pistolet mitrailleur. Ah, tempête de sable. C'est mi bien, mi nul. Parce que... On va essayer de le prendre en Fulton, malgré la tempête. Il peut mourir, mais c'est pas grave. Ah putain, le truc de renseignement de... Il faut pas que j'utilise mon arme.
Il y a un ennemi juste là. Je pourrais essayer d'aller récupérer son arme. Quoique. Il monte. Il y en a à 19 mètres et un juste là, là. Lui aussi il monte, comme par hasard, n'est-ce pas? Je vais les braquer avec un lance-roquette, ils vont rien comprendre à la vie. Yo Tengo un message, on s'en fout, c'est pour Noël. Genre. Je suis entouré de débiles. Je suis dans une merde pas possible. J'ai fait des accents racistes parce que j'aime ça. C'est bon, il est parti. Ok. Bon, toi tu te retournes, parfait. Va voir de plus près, va voir de plus près. Dès qu'il fait son rapport, on fonce. Y'a rien mon coco. On va l'interroger au calme. Réveille-toi. Allez. Où sont les autres ? Dans ce bâtiment. Ok, donc il faut que j'aille là-bas. Il va voir le footon. Non. Merde. Je suis un bouffon. Oh merde. Heureusement qu'il a un char soviétique. Un char soviétique, donne des. Où ça un char soviétique? Véhicule blindé, ici, d'accord. Ah, ils sont AK à lui. Il avait une arme lui aussi. Oh, ça j'aime. J'ai combien de balles dans l'AK? 31 balles. Et là, on a 150 balles. Ah oui, mais du coup, ça remplace le lance-roquette. C'est pas cool. Ok, bon, on sait où on doit aller. En plus, c'est juste à côté, donc c'est parfait. Pour l'instant, ça va. Il n'y a pas de...
Je vais rien dire. Je vais pas dire le mot parce que... En général... Hein ? Je pense que vous avez... compris. Hein ? Voilà, j'ai failli faire... l'erreur fatale. On va le marquer, lui, parce que... Il me fait peur. Il peut... Ah, ils peuvent monter là aussi. Putain, encore ? Je l'ai pas marqué lui déjà ? C'est chaud ! Il est quelle heure ? 11h. Oh là là. Enfin, 11h dans le jeu, je veux dire. Un sniper juste là. Oh là là. Le sniper pourrait... Non, non, ça va remplacer mon... Ça va remplacer mon... Mon lance-roquette. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin du lance-roquette? Est-ce que je peux pas voler le char et tuer les autres chars avec mon char? Je sais pas si je me fais bien comprendre. J'ai failli faire une connerie, mes gars. Ah, je suis posé là. Ah putain, j'ai une... j'ai une mouche qui me tourne autour un peu comme... Putain, le mouche. Putain, il y avait plein de... Putain de... Oh quoi, elle me casse les couilles cette mouche. Il est midi, d'accord. J'ai presque envie de tuer... Ah non mais je peux pas... Ah si je peux, ah, si je peux. Je vais le tuer, je vais le tuer. C'est pas bien, mais c'est pas grave. Je préfère ça plutôt que... Alors est-ce que... Qu'est-ce que je dois prendre? Déjà, il y a une cassette. Pas du tout. Ça que je dois prendre. Bon, on y arrive. Doucement mais sûrement. Je pense que si j'étais allé direct, ça aurait été plus rapide. Moi, je voulais faire le tour pour marquer tout le monde, mais apparemment, c'est pas très utile. Intel file extraction arrived at mother base. Ok, donc... Ah, et je dois prendre les chars pour... Oh, d'accord. That document you just got is the deployment plans for the Smassi Fort reinforcements. According to the plans, the colonel is supposed to join up with the tank unit of Wuxin Barracks and then proceed to Smassi Fort. The
those tanks being on the move doesn't make things easy. Hurry, boss. I've sent the tank units route to your iDroid. Putain de mouche! Oh, elle me casse les couilles! Je vous assure que je vais péter un câble à cause d'une mouche. Il faut rejoindre vite le tank. C'est bon, c'est parfait. Marker placed. On va vite rejoindre le tank qui est là-bas. Putain, ah, ça va être chaud là. Combat de tank. 600 mètres, putain. J'espère qu'il n'y aura pas de patrouille. Faites qu'il n'y ait pas de patrouille. Faites qu'il n'y ait pas de patrouille. Comme ça, j'ai le temps de préparer une embuscade. 400 mètres contre 600 mètres. 500 mètres, oh putain. J'espère qu'il n'y a pas d'ennemis autour du char. Ce qui m'étonnerait en fait. Je suis complètement con. J'aurai pas le temps de buter tout le monde. Si il y a du monde. Oh putain! C'est des chevaux? Ah d'accord, non, c'est des ânes. D'accord. Je trouve que c'était des ennemis, mais c'est des ânes. Ce qui est à peu près la même chose. Et je sens que je vais regretter d'avoir dit ça. Ne dites pas qu'il y a personne autour du tank. Là par contre, j'y croirais pas. Ah, j'aurais dû passer par l'autre côté. On y va en mode bourrin. Enemy presence detected. The map has been updated. Il faut un truc en hauteur. Putain de mouche! Eh, je vous assure, je vais péter un câble à cause d'une mouche. Suis-je vraiment instoppable avec ça? Parce qu'il y a quand même un gros tank. Boss, that's a serious injury. It won't heal on its own. You'll need to treat it with first aid.
Putain. Je comprenais pas ce qui se passait, j'arrivais... Merde, j'ai fait tomber mon téléphone. J'arrivais pas à soigner mon... Comment on appelle ça? Mon... Ah merde. Oh parfait. Oh, je me suis mis au bon endroit. Parce que du coup ça me permet... Qu'est-ce que c'est? Tu l'as gagné au final? Je répondrai plus tard. J'ai mis au bon endroit. J'ai pas de grenade, je suis con. On va tenter quelque chose. Je crois qu'il y a le camion qui essaie de passer en force. Tu peux pas m'avoir vu. Putain. Cours pour ta vie, Snake. Cours pour ta vie. Oh. Putain. Oh, cette course poursuite. J'arrivais pas à fulltonner le tank. Ah putain, c'est impossible. Et s'il m'avait pas vu, j'aurais... Ah parfait. Parfait. Coucou, tire pas. Je suis un génie. Oh. Bon. C'était compliqué. Attendez, je suis pas sorti d'affaire. Non, c'est bon. Je suis sorti d'affaire. Ok. Bon, c'était compliqué quand même. C'était assez stressant. Enfin, c'est pas compliqué. C'est pas dur en fait. Faut juste être prudent. Faut juste savoir jouer et savoir se passer de D-Dog qui repère les ennemis, de Coyette qui peut les tuer à distance, du Walker Gear, etc. Faut savoir se passer du sniper, faut savoir recommencer le jeu en fait. Recommencer le jeu du début sans aucune arme ni rien. Bon, en fait au début du jeu on avait des armes, mais... Voilà, on fait comme si c'était vraiment le début du jeu. Il faut juste un peu de méthode et c'est bon. Bon, je pense que je vais avoir un rang D ou un truc comme ça, donc... Mon avis n'est pas très bon, n'est pas très très... comment dire... Mon avis n'est pas très... Je vois pas comment dire, mon avis pas très 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 pertinent vu que... Enfin, n'est pas très... n'est pas de confiance. Vu que je vous parle comme si c'était facile alors que je vais avoir un rang D ou un rang Z. Mais bon, c'était cool, c'était cool. C'est stressant surtout, c'est ça le pire. 10 membres ont été renvoyés. Quoi? Pourquoi ils ont été renvoyés, les membres? Rang B. Oh, pas mal. Attendez, pourquoi
Et pourquoi que D-Dog il a plus 100% et Colette non plus et D-Horse non plus? Putain, j'ai fait des conneries, je crois, en faisant des missions secondaires. Ah oui, j'ai tiré sur Quiet. Beer. Ah, c'est la première fois que j'ai ça. Oh, bah tant mieux. Soldat légendaire. Oh, Pachtoun. Il parle Pachtoun. C'est quoi le Pachtoun? Il parle le russe, ok. Soldat d'élite, Turkmen. Les Turcs nous mènent à la victoire. Ouais, non. Je vais faire une blague, mais ça n'a pas marché. Pachtoun. Et encore du Pachtoun. Du lituanien. Oh, pas mal. J'aimerais bien aller en Lituanie. Enfin. Ouais. Ça s'appelle comme ça aujourd'hui? Si, oui. Estonie. Oui. Je crois. Mon dieu, c'est un culte. Il connaît même plus les pays de l'Europe. C'est en Europe? Oui, c'est en Europe. C'est à côté de la Russie, de l'Allemagne et tout. Attendez. Bon, je vais me taire parce que je crois que j'ai dit une connerie. Je sais plus. Il sait plus. Bon, combien? 46 minutes. Oh, j'avais dit 2 heures, ça dure 46. C'est pas mal. Je suis fier de mon ratio. Alors attendez, on va juste voir un truc. Pourquoi j'ai eu des membres qui ont été renvoyés? Ah oui, merde. Ah oui, merde, elle est pleine, ma base. Elle est pleine, pardon. Ah oui. Ah oui, bon, R&D, c'est le plus important, je pense. Commencing platform construction. Ok. Renseignement, ça peut être pas mal. Comme ça, il y aura plus d'ennemis. Ok. Ah, j'ai encore assez pour améliorer des trucs. Ok, bon, on va tout améliorer. Mais on va avoir la base à fond. Ouais. Ah, bah c'est parfait ça. Ah non, merde, j'ai pas assez pour ça. Réserve de carburant. Ok. Il m'en manque. Oh, pas beaucoup. 6000, il m'en manque. Un peu moins. Ah, je vais vous montrer quelque chose qui est depuis la mise à jour. Et il y a des défis à faire. Et en finissant le jeu, je l'ai fait plein de fois. Donc, faire 100 marquages, 200 marquages, des éliminations, interrogatoires, etc. Et du coup, ça nous donne beaucoup de récompenses. Parfois, ça va jusqu'à 1 million de pims, je crois. Attendez, regardez. 1, 2, 3, 120 000 pims pour. Ça c'est les tâches de mission, donc c'est pas... Oh, attendez. Hop. Là j'ai eu un personnage de rang S. Ah non, mais merde. Faut pas que je le prenne. Métal. C'est quoi que... Carburant. 1500. 15 000. Ah bah c'est bon. Tac, 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 tac. Un tank. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, je peux pas avoir plus de PIM. Ok. Ok. Bon, ben, on peut améliorer la base. Vu que j'ai eu 15 000 carburants, il m'en manquait. Il m'en manquait 6 000. 5300. 5280 et quelques. Parfait. Dans 3h30, j'aurai ma base à fond. Bon, ça, c'est une très bonne chose de fait. Bon, la FOB, je... Voilà, quoi. Je l'ai pas fait... Je l'ai pas énormément augmenté. Ah, c'est des réserves de carburant qu'il me faut. Il faut que je farme les réserves de carburant. Ok. On va voir à la Mother Base, il y a une cinématique. Hein, vous connaissez le... le fonctionnement maintenant, si vous avez vu tout le let's play. Please select a landing zone. To the kid in America. Ah oui, la plateforme zoologique. Eh ben, on va voir la plateforme Non, je la ferai plus tard, la plateforme zoologique. La plateforme zoologique. Plateforme de quarantaine. Ah, c'est là où il y a Volgin. Et les Skulls, d'ailleurs. Ok, on va juste voir s'il y a une cinématique. Sait-on jamais. Et voilà, ben je continuerai de. Je ferai peut-être la dernière mission en vidéo. Code Talker en extrême, je la ferai peut-être en vidéo.
On verra. En tout cas, je ferai d'autres vidéos sur les missions secondaires, les missions pour avoir le platine, quoi, tout simplement. Je compte faire une vidéo entière sur la capture d'animaux, mais je couperai des passages, en fait, pour pas que ce soit trop long non plus, parce que ça va être très long et je mettrai que les meilleurs moments, s'il y a des moments drôles, quoi. Je pense faire ça, hein, mais c'est pas sûr. Et du coup, on va voir la Mother Base en train de s'agrandir, non? C'est la dernière fois qu'on peut la voir s'agrandir. Là-bas, je crois. Ouais, là-bas. Non, lève-toi. Oh. Ok. Ah, je me disais bien. Ça va pas marcher. Strike! C'est pas moi. On va tester un truc. Merde, on peut pas sauter. Très bien. Oh, attendez, on peut. Ah, je vais tester un truc, je vais tester un truc. Pas du tout. D'accord, très bien. Oh putain. Oh! Ce qui s'est passé l'autre jour, qu'est-ce qui s'est passé l'autre jour? Ah, il part de la mission 43. Mais pourquoi elle se casse? Putain, ça me casse les couilles. Je vais tester un truc en fait, mais. J'y arrive pas. Attendez, est-ce que ça marche quand je suis là? Oui, elle reste. Putain, je vais tester. On se met là. On met une boîte. Parfait. Ok, d'accord, bon, ça marche pas quand on est sur un... D'accord. Bon, mais je voulais tester de faire ça, en fait. Pas du tout. De mettre une boîte, en fait, sur... Ah, on peut quand on est en carton. Lol. Oh, 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 oh. Merde. Oh, oh, merde, oh. Oui. Oui. Oui, 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 oui. Pourquoi pas après tout. Mais je voulais voir le carton tomber en fait. Là, j'ai été assimilé par le, par la. En plus, elle est toujours là. Oh là là. Et ça, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Hein. Welcome back. Attendez, on va se mettre. Peut-être que ça. Parce qu'il fait comme s'il y avait un éclair en fait. Oh! What? En gros, il faut pas qu'il y ait de toit. Oh! Whatever supplies you need, just let us know, boss. T'es pas Laurent S? Ah non, c'est pas toi Laurent S. Y'a pas un black pour le martyriser? Je suis pas raciste, mais. Boss, we really need some more room here. Nouveau quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Toi, tu me donnes des ordres. On va voir qui est le patron. Alors. Lève-toi vite, lève-toi. Lève-toi ou sinon je te tue. Couché. Merde, ça va marcher. Oh, ça a pas rechargé mon bras étourdissant. Ça fait quoi si je le pousse dans l'eau? Ah bah oui, si j'ai... Oh, non, 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 tombe, tombe, tombe. Merde.
Bon, c'est pas ce que je voulais faire, mais... Bon, attendez, je veux juste tester l'électricité, si ça tue les ennemis. Enfin, la foudre, là. Putain, on peut se prendre pour Ener, quoi. Ener-le. Ener-le-sama. Nanimonodai. Kaminari. Ceux qui ont joué à One Piece Pirate Warrior 2 comprendront la référence. Nanimonodai. Toi, tu t'appelles comment? Alors, tu vas servir de spectacle. On va mettre un leurre à côté. Juste pour tester. Merde. Garde à vous. Garde à vous. De rien. T'es prêt? Désolé, poteau. Je suis déçu. Dispatch me on my next mission. Oh, attendez, je vais tester un truc. Oui, je devais finir la vidéo, mais attendez, je vais juste tester un truc. Putain, presque. Oh, oh, oh. Eh, j'ai combattu Elide, moi, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, bref, on va stopper là, les gamineries ici. Non, je voulais tester un truc, en fait, parce qu'il y avait quelqu'un qui... J'ai vu une vidéo où un mec arrivait à s'assommer en faisant ça, en fait. Et du coup, je me suis demandé s'il faisait... si c'était vrai ou si c'était un petit montage pourri. Est-ce que ça a de la physique, ça? Pas du tout. Ok, bon, bah tant pis. Ben, on se retrouve... plus tard pour de nouvelles vidéos. Ah, c'est bien, ça fait un plan long. On se retrouve plus tard pour la suite. Désolé pour ce craquage à la fin, mais je commence à être fatigué et je pense que ça s'est entendu. Bref, ciao.